clichés. Bienvenue dans ma réalité. En fait, on réalise deux spots qui vont être diffusés en alternance. Il y en a un avec un couple de jeunes et un avec un couple de personnes âgées. On est à Montreuil, donc voilà, c'est un vrai local où là, on a tout bougé, on a un peu changé des trucs de place, mais en fait, là où on est, normalement, il y a une grande table avec du lait, des patates, des haricots verts, et les gens rentrent par là-bas, font la queue et peuvent se servir avec les bénévoles. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. En fait, ça fait 2 ans que je réalise en fait le spot des restos. Jusqu'à maintenant, c'était plus des clips et des trucs en images. Enfin, tu vois, ça, c'était plus des tout petits courts-métrages de 30 secondes. Et quand tu viens ici, que tu fais un repérage et qu'il y a des jeunes ou des personnes âgées qui sont là et qu'on t'explique qu'au bout du 5 du mois, ils mangent de la pâtée pour chat, t'as plutôt très vite envie d'écrire un truc un peu plus concret, un peu plus réel, frontal, quoi. Et d'oublier le côté un peu joli et belle image et petite musique et tout. Voilà. Action. Cette année, le clip a insisté davantage sur les jeunes et les moins jeunes. Et j'insiste particulièrement sur donc les retraités qui traversent des difficultés. Peut-être pas passagères, peut-être un peu plus longues que les autres, parce qu'ils ne sont plus en activité, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus, bien moindre, totalement amaigri. Donc pour ça, pour les Restos du Cœur sont faits aussi pour ces gens-là, et surtout qu'ils n'aient pas honte de venir. Ils ont travaillé pour nous, ils se sont investis pour nous, ils ont fait des combats pour nous. Les Restos du Cœur peuvent s'engager pour les retraités.